Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur votre quest et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment nettoyer votre quest 1 et 2 facilement et on va dire efficacement. Donc les prérequis c'est d'avoir un chiffon microfibre, donc pour ceux qui sont des lunettes vous en avez déjà un, ou bien vous pouvez trouver je pense en magasin ou sur Amazon, donc je vous mettrai les liens dans la description. Également acheter des lingettes désinfectantes, donc on trouve ça dans n'importe quelle grande surface, on trouve ça on va dire dans les 89 euros, 1 euro ou plus si vous voulez des lingettes désinfectantes haut de gamme, mais ces lingettes de Carrefour que j'ai acheté je crois 89 centimes ou vers là, ça fait largement le taf. Donc par exemple pour nettoyer que ce soit du quest 1 ou 2, pour nettoyer on va dire le devant du casque, vous passez juste un petit coup de lingette comme ceci. Pour le quest 1 c'est pareil, vous passez un petit coup de lingette comme ceci, ça aide même à enlever les taches blanches qui apparaissent ici sur le quest 1. Et ça permet de désinfecter votre casque. Lorsque par exemple, je sais pas, vous faites une soirée et que vous faites tester le casque à beaucoup de personnes, soit vous le désinfectez pour chaque utilisation, ou soit à la fin de la soirée, vous désinfectez votre casque. C'est mieux que rien. En plus, on est en période de Covid-19, donc c'est mieux que rien de le faire. Bien évidemment, lorsque vous le faites, vous devez enlever la sangle du quest. Enfin, ce qui est à l'intérieur, vous devez l'enlever et aussi le désinfecter, le nettoyer. Donc moi je vous recommande de faire ça peut-être toutes les fins de semaine ou toutes les fois où par exemple vous prêtez votre casque à plusieurs personnes. Donc vous désinfectez ça aussi. Et ensuite, là, on va voir ensemble le petit problème, c'est que à l'intérieur du casque, on voit qu'il y a plein de petites poussières. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en général je souffle. Mais bon, ça enlève pas tout, ou j'essaie d'enlever ça comme je peux avec un mouchoir, mais il faut faire vraiment très attention. Et même lorsque vous prenez une lingette désinfectante pour nettoyer le devant du casque, parce que dans la lingette désinfectante, lorsque j'appuie comme ça, j'ai du liquide qui sort un petit peu. Quand je frotte fort, j'ai un peu de liquide qui sort un petit peu. Et le problème, c'est que si on fait pas attention, et on gère pas où le liquide va sortir, dans la lingette désinfectante, ça peut, on va dire, mais... Enfin, c'est pas sûr, mais ça peut arriver dans les lentilles. Faut surtout pas que, on va dire, le liquide qui est dans la lingette désinfectante touche à la lentille, sinon vous allez niquer vos lentilles. Donc faites très attention lorsque vous nettoyez votre casque, que ce soit sur le Quest 1 et 2. Surtout, voilà, donc j'avais juste à dire ça, sinon vous avez un petit kit pour nettoyer, on va dire, facilement votre Quest 1, avec juste une lingette et un chiffon microfibre. Et également, lorsque vous avez de la buée sur votre Quest, je recommande également de ne pas prendre, comme souvent font, soit un t-shirt pour nettoyer, on va dire, la buée ou vos mains. Prenez plutôt un chiffon microfibre que vous mettez directement dans la lentille et vous nettoyez la lentille avec ça pour enlever la buée, parce qu'au moins ça vous prévient des micro-rayures et c'est beaucoup plus sûr. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Faites très attention lorsque vous nettoyez votre Quest 1 ou 2, que ce soit avec du chiffon microfibre ou autre. Faites attention aux lentilles également lorsque vous enlevez ça et vous nettoyez l'intérieur du casque ou les lentilles. Donc évitez que, je sais pas moi, le flash ou la lumière atteigne directement les lentilles de face. Et puis voilà, hein. Donc je ferai aussi une deuxième vidéo où je présenterai comment mieux nettoyer votre Quest 1 et 2 avec un kit spécial que je chercherai sur internet. Du coup voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les parts du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans la Google Playlist et là cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces, mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team.